L'effet yo-yo. Le phénomène selon lequel une personne ne pourrait maintenir sa perte de poids sur le long terme. Je sais que tu sais de quoi je parle, hein. Je sais même que tu l'as sans doute déjà vécu. Moi j'apprends à rentrer ça plus à un effet boomerang en fait, tu vois. Parce qu'en plus, souvent, de reprendre le poids perdu, t'as toujours un petit bonus hein, qui n'est pas négligeable. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que cet effet yo-yo est inévitable? À quoi est-il dû en vérité? Que nous dit un peu la science en termes de perte de graisse, etc. Et comment on pourrait faire pour justement perdre du poids réellement? Parce qu'il y en a marre, quoi. Sans déconner, il y en a marre. C'est exactement ce dont on va voir exactement maintenant, là, de suite. C'est parti. Rares sont les personnes qui, après un régime, après une perte de poids, arrivent à garder cette composition corporelle, cette perte de poids. Et c'est souvent décourageant d'ailleurs, hein, même pour ton entourage qui souhaiterait eux aussi perdre du poids, ou même toi si tu vois, ou même toi si tu l'as vécu, etc. Te dire, mais à quoi bon quoi? Pourquoi essayer encore une autre perte de poids, une autre perte de gras, si c'est pour tout reprendre? Tu sais, et on associe souvent ce phénomène d'effet yo-yo au fameux poids de référence ou poids de forme par le système homéostasique, c'est-à-dire le système qui fait que le corps reviendra toujours à l'endroit où il se sent le mieux. Mais est-ce que vraiment ce poids de référence existe? Est-ce que ce poids de forme est réel? Tu sais, quand tu stagnes aussi à un certain poids, tu dis « bon, c'est mon poids de forme, ça t'arrange bien, n'est-ce pas ?» Est-ce que c'est vrai tout ça? Hein? Est-ce que c'est... Je pense que là, il y a pas mal de mythes à dégommer encore une fois. En réalité, l'effet yo-yo va concerner principalement déjà des personnes sédentaires ou sinon des personnes faisant une perte de poids, une perte de gras sans optimiser leur masse musculaire. Je sais que tu commences à voir d'où je veux en venir, c'est-à-dire que ces personnes subissent, comme la plupart des régimes et des pertes de poids, un ralentissement métabolique qui fait que quand ils vont recommencer à manger normalement, ils vont reprendre du poids parce que leur métabolisme a diminué. Le métabolisme, comme tu le sais, s'adapte. Hein, il n'y a jamais de métabolisme qui est foutu. C'est quelque chose qui s'adapte constamment. Et il s'adapte à quoi? Il s'adapte non seulement à ton apport calorique, mais aussi à ton mode de vie et à ta composition corporelle. C'est-à-dire, plus tu auras du muscle et plus ton métabolisme sera élevé. Dans le cadre d'une perte de poids sans optimisation de la masse musculaire, on va avoir un ralentissement métabolique qui va être important. Et en plus de ça, on va perdre du muscle. Donc forcément, l'effet yo-yo sera inévitable. Donc en l'absence d'entraînement qui stimule ta masse musculaire, tu vas avoir énormément de mal à la suite du régime à reprendre ce muscle que tu auras perdu. C'est pourquoi, une fois de plus, il est important de stimuler ta masse musculaire, surtout lors d'un régime, enfin lors d'une perte de poids. Et c'est d'ailleurs la meilleure façon de perdre du gras, tu l'auras compris, c'est de stimuler au maximum ta masse musculaire afin de limiter l'impact des dommages métaboliques et en plus de ça, de limiter cet effet yo-yo qui va arriver à la suite du régime. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est le facteur important qui fait que beaucoup de personnes subissent un effet yo-yo, c'est qu'ils réduisent drastiquement leurs calories sans stimuler leur masse musculaire. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont faire du cardio et seulement du cardio. On le sait, le cardio en termes de stimulation musculaire, y a mieux et on atteint rapidement les limites qui font qu'en plus, ça va nous faire perdre du muscle. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas de ce qu'il y a de plus optimal. Et encore une fois, c'est pas ce qui va te faire avoir des résultats sur le long terme. Et si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu veux des résultats sur le long terme. Et en termes de santé, en plus de ça, on sait qu'avoir plus de muscles, ça a un avantage non négligeable. Alors, comment faut-il faire concrètement pour éviter cet effet yo-yo, éviter de reprendre tous les kilos perdus et en plus de ça, reprendre seulement que du gras? Parce que si on reprend du poids, mais qu'à la rigueur, c'est du muscle, c'est pas très grave. Au contraire, ça va être que de l'avantage. Mais lorsqu'on a perdu du poids sans optimiser notre masse musculaire, on va reprendre beaucoup plus facilement du gras. Ce que tu peux mettre en place, c'est déjà... Lorsque tu vas commencer ta perte de poids, ta perte de gras, c'est déjà éviter d'être drastique. Hein. Ça, je le répète très régulièrement, mais c'est très important. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit le mot important d'ailleurs. Vas-y progressivement pour réduire tes calories. Hein, par exemple, si tu es une personne qui n'avait pas forcément l'habitude de manger sainement,
Fais juste des changements sur la qualité de ton alimentation avant de vouloir réaliser un déficit calorique. Ensuite, si tu veux mettre en place un déficit calorique, pareil, tu diminues progressivement les calories. Je te rappelle que dans la description de cette vidéo, tu as un lien gratuit où tu vas pouvoir calculer ta dépense énergétique, donc également pouvoir voir comment tu vas pouvoir faire un déficit calorique. Ensuite, durant ce déficit calorique, je te conseille très fortement de faire des phases de maintien calorique. C'est-à-dire des phases où tu vas remonter les calories à maintien, donc comme son nom l'indique, qui va non seulement te permettre à toi psychologiquement de tenir le coup et de pouvoir consommer un peu plus d'aliments et plus de volume également, mais aussi à ton métabolisme de comprendre que ben, la nourriture est toujours disponible et que tu n'es pas en train d'être en mode famine. Voilà, il ne va pas stocker tout ça non plus, il va s'en servir comme énergie et c'est très important de faire des phases comme ça. Évidemment, stimuler ta masse musculaire et un maximum de fois. Si la musculation, c'est pas quelque chose qui te fait kiffer, fais en sorte d'y mettre du fun, tu prends ton sport favori et tu vois comment la musculation, elle peut t'aider à performer dans ce sport-là. Et crois-moi, la musculation sert toujours à performer et ça dans n'importe quel sport. Donc vois comment toi, dans ton sport, eh ben, on met en place du renforcement musculaire et là, ça va grandement t'aider. Voilà ce qu'il en est concernant l'effet yo-yo. En réalité, il ne concerne pas une grande partie de la population. Il ne concerne pas non plus toutes les personnes qui font un régime. Il va concerner surtout les personnes qui sont sédentaires ou les personnes qui ne stimulent pas suffisamment leur masse musculaire durant une perte de poids. Donc maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Ne pas être trop drastique, faire des phases de maintien musculaire et stimuler au maximum tes muscles et faire en sorte d'avoir une composition musculaire qui soit plutôt importante. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, ça t'est déjà arrivé cet effet yo-yo, si ça t'est arrivé plusieurs fois, si tu as réussi à passer le cap, à ne plus faire cet effet yo-yo. J'aimerais bien savoir comment tu as fait tout ça. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao !